Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Smur. Je sais pas si vous avez la pêche aux patates, je ne sais pas en ce que ça se fait. Aujourd'hui, on va vous dire The Witcher 3. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire. On va faire les petites quêtes à Skellige. Donc, je vous rappelle la dernière fois. On avait complètement. En fait, on avait fini ski. On avait fini Velen et Novigrad. Je sors victorieux de jeu. J'ai mal à refinir, c'est ça. Mais t'sais, il doit manquer des trucs que j'ai pas. C'est ça, je suis loin d'avoir fini le jeu. Là. Ben loin. Ah, regardez ça, c'est. Ce qu'elle j'ai rien foutu là. Skye, j'ai vraiment rien fait là. Ah, on est à ce qu'il y a eu. Un camp de voleurs dans les pages de l'obélisme. L'obélisque. Même pas si j'ai mais ta gueule. Mais tu casses les couilles. Ah, 5, c'est pas si pire hein. Alors, quoi? J'aime tellement. Comment qui? Les démembrements, quoi. Parce que c'était mon épée qui était finie. Ok, ça a l'air que c'est mes jambières. Mes pantalons, voilà, ce que peu importe.
Ah, mais t'as pas fait les lieux. Donc, je sais pas, la vidéo va durer combien de temps. Sais, des fois, je sais, comme hier, tu sais, je pensais pas qu'elle allait durer longtemps, mais finalement. C'était. En fait, j'étais censé la faire durer pas longtemps. Fait que, tu sais, ça pourrait durer 2 heures, comme ça pourrait durer une demi-heure, tu sais. Je sais pas. Non, je comprends pas sauter avec le cheval. Ben, peut-être qu'on peut là. Ça, on peut, je suis vraiment un con. Hein. Ben oui, on peut. Putain, mais quelle merde. Bon, en tout cas, c'est pas grave là. Bah, ça va être un campement de bandits, on s'entend. Ça sert à rien d'utiliser des signes si j'ai one shot quasiment. Ils sont pas loin. Plus de tête. C'est dans ce feinture que je pourrais donner de ces fichus carcasses de bande. Et...
chaudes, sainte intensité. Oh. Ah, je suis en train de s'étirer. Bon, ça c'est, je vais finir genre niveau 40 avec les DLC. Ah non, je sais pas si c'était. J'ai retrouvé votre épée. Ryu, Freya Squalwe. Où l'avez-vous trouvée? Dans le nord de l'île, près du cimetière des baleines. Ne me demandez pas comment elle est arrivée là, c'est une longue histoire. En tout cas, ne vous en faites pas pour les voleurs. Ils ne voleront plus jamais. Ah, oh, merci. Tenez, vous avez bien mérité votre récompense. Et une petite rallonge de ma part. Si vous n'aviez pas retrouvé Kulyu, j'aurais dû laver la honte dans mon propre sang. Il était joué d'un combien? Trop XP man pour elle. Gros arnaqueur quoi. Attention à ce que... Putain les gros arnaqueurs. Mauvais endroit. Mauvais moment. Il y a le point du jeu. Désolé. Les tunes sont juste trop stylées dans ce jeu. On s'entend? Du sang. Encore frais. La victime n'avait pas la moindre chance. Ah non. Mais non, c'est fait. C'est écrit. Non, vraiment si quoi. The fuck? J'ai vu ça? Ouais. Attends une minute, il y a quoi qui manque?
Y a pas des traces de pas? Ah ouais. Piste est fraîche. Le sol est maculé de sang à plusieurs endroits. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Une autre victime. Yann, mon très cher fils. Je sais que vous n'avez du mal, Seigneur, c'était chaud, plein de perdre de sa respiration. Dieu n'a survécu, Dieu merci, mais il faudrait être humain. Plein de très quoi. Nous sommes sans sous. Il n'a pas besoin de le voir, sans vite aussi. Je t'en connais. Aide le pauvre Singa, il faut qu'il. Qu'il se travaille. Plusieurs rumeurs viendront nous installer à Kirtrod. Je pourrais peut-être travailler à Fragicteur. Si tu ne veux pas nous aider, prends-moi quelques pièces à Sinka, de rembourser Victor. Dès que nous sommes sur cette mauvaise espace. J'y foi en ton beau cœur, mon fils, dans ma reconnaissance. Il va pleuvoir. Quand je demande, il y a peut-être d'autres schémas d'amélioration à faire avec le Novigrad, mais bon. Bah là je peux y parler. Une arme peut-être. Une pièce ici présente à sa propre histoire. La garde de cette épée a été faite en acier de météorite. Non, l'acier provient du cœur d'une étoile filante. Le porteur de cette épée suivra toujours le bon cap en mer, même par un ciel d'orage. Mais elle finira par l'accabler d'une immense tristesse. Il aura le mal du pays des étoiles. Et rien, même un bon camarade, ne pourra lui rendre le sourire. Je crois que ceci vous était destiné. Une lettre de ma mère. Elle écrit que c'est ma sœur qui doit me la remettre. Où l'avez-vous trouvée? Je suis tombé sur des corps dans les bois. Des victimes d'une attaque de monstres. J'ai trouvé cette lettre sur une femme. Singa est morte. Combien de fois je leur ai dit de venir vivre ici avec moi, elle et ma mère. Mais non, elle préférait rester sur Faro. Je vais envoyer quelqu'un chercher le corps. Mes condoléances. Merci de m'avoir prévenu. Tout le monde n'aurait pas pris cette peine. Tenez, pour vous. Un point d'XP, mais non, mais... Ils sont sérieux. Au moins il me donne de l'argent là, mais quand même. Si j'ai de l'argent, je n'ai presque plus besoin. Parlez au villageois. Parlez au villageois.
Ah. Bon, c'est à côté au moins, là. Pas à côté. Faut juste que je change d'île, tu sais. J'aimerais qu'il veuille ça. Bah oui, là, c'est sûr. Je sais pas si on fera tous les quêtes. Qu'y a-t-il? J'ai un boulot pour vous. Mais restons pas sous la pluie. Allons chez moi. On y sera mieux pour causer. Quel est le problème? Voyez cette colline là-bas. Des siècles qu'elle est déserte. Et un beau matin, boum! Voilà qu'il y a une tour au sommet. D'un coup, la foudre s'est mise à dégringoler. Comme si le foutu Naglfare se pointait. Depuis ce jour, ça n'arrête pas. L'espèce de je sais pas quoi qui apparaît. Chose pour cette tempête. Avec des vagues pareilles, on peut rien faire. Ni pêcher, ni guerroyer. Vous avez essayé d'entrer dans la tour? Si on a essayé, dès le premier jour, tous les habitants du coin ont foncé, billes en tête. Les gens voulaient accueillir l'occupant de la tour s'il venait en paix, ou le chasser s'il cherchait des poux. On a cogné, cogné, pas de réponse. Alors, vers la porte, c'est là que nos genoux nous ont flanché. Pourquoi? Parce que derrière la porte, il y avait comme. Comme une flaque d'eau, mais. Droite. Ah, un portail. Verticale. Jamais rien vu de pareil. De la magie, qu'il a dit le druide. On a trouvé 5 braves qui sont entrés. On les a jamais revus, les malheureux. Bien. Je vais jeter un œil à la tour. Une fois dedans, tâchez de retrouver nos gars. Le druide du village et 5 braves garçons. Oh, ce serait pitié de les perdre. Vous avez ma parole. Emdal vous guide. Ça va bien que le titre de la mission, la tour s'origine du port. Ah, c'est tellement drôle. C'est pas le temps de s'entraîner, les mecs. C'est ça, je vais prendre un V1. Et moi, j'arrive en V1, je fais ça. Juste ça, je vous massacre. Je vais juste saver par contre. Ça fait longtemps que je l'ai pas sa- j'ai pas sauvé. Voilà. C'est important de saver dans ce jeu. Un portail. Merde. Je vais le voir en haut. Bon, c'est bon. Il s'est refermé. De l'extérieur, ça paraissait plus petit. Intrus détecté. Cessez cette intrusion. Partez immédiatement. Échec de détection. Neutralisation de l'intrus initialisé. Yeah.
Enfin, quelqu'un vient me libérer. Et un célèbre sorceleur, en plus. Les dieux soient loués. Quelle chance de vous trouver au Kovir. C'est le roi Tancred qui vous envoie? Ou la confrérie des mages? Ni l'un ni l'autre. Et nous ne sommes pas au Kovir, mais à Skellige. J'ai été engagé par des autochtones. Votre tour a généré un orage énorme au-dessus de leur île. Skellige? On s'est donc... téléporté? Oh. C'est encore pire que ce que je craignais. J'ai un peu de mal à suivre. Bien. La tour se défend grâce au dispositif de représailles magiques. De quoi ? Un système de défense magique. Conçu pour que seul le propriétaire de la tour puisse l'utiliser. Quand il détecte un intrus, il condamne toutes les pièces. Tous les accès. Et comme aucun de nous n'est le dit propriétaire, le golem m'a attaqué et vous a bouclé derrière ses barreaux. Comment on échappe aux autres joyeusetés ? En désactivant le dispositif de représailles magiques. Le précédent propriétaire a rédigé un traité sur la marche à suivre. Le grimoire omni déverrouilleur de Godfrey. Il doit y en avoir un exemplaire quelque part dans cette tour. Tâchez de le trouver. Avec ça, je pourrais tenter de circonvenir la sécurité. Vous rentrerez chez vous et la tour au collier. Les corps là-bas, ce sont bien les gens du village voisin? Ils sont venus voici quelques jours. Leur tenue m'a surpris, mais il ne m'a jamais traversé l'esprit qu'il puisse s'agir de la mode de Skellige. Ils étaient une poignée, avec un druide à leur tête. La tour les a prévenus, ils n'ont rien voulu savoir. En général, les gens d'Anskellig se moquent des avertissements. Si la tour avait demandé gentiment puis offert une corne d'hydromel, ils seraient partis sans faire d'histoire. Je croyais avoir tout vu, mais une tour qui se téléporte toute seule, c'est inédit. Ce dispositif de représailles magiques, j'ai tenté d'y accéder. En tâtonnant, j'ai dû lancer une séquence d'évacuation qui a ouvert le portail et nous a envoyés à Skellige. Ce qui, en retour, a généré des perturbations électromagnétiques, d'où l'orage persistant. Orage que j'ai promis de dissiper. Pour cela, vous devez d'abord trouver le grimoire omni-déverrouilleur de Godfrey. Bah oui, t'inquiète. Hey, c'est qui ? Je suis, mais moi, j'ignore votre nom. Sigobels. Mage et sorcier résidant à la cour de Pont-Vanis. Cette tour devait être ma nouvelle demeure. Je l'ai achetée aux enchères. Une tour aux enchères? Elle a appartenu à Godfrey Stamfield, un mage d'un certain renom. À sa mort, ses héritiers ont mis l'édifice aux enchères. Tous étaient mal à l'aise. Aucun ne voulait savoir ce que tonton Godfrey gardait dans ses bocaux de couleurs. Comme si c'était leur contenu qu'il avait privé du sens de l'odorat et de son œil gauche. Ils ont donc mis la tour en vente avec tout ce qu'elle contenait. À ce prix-là, je n'ai pas pu résister. Bien. Hâtons-nous de sortir d'ici et de renvoyer cette tour d'où elle vient. Où chercher le traité de Godfrey? Une idée? La bibliothèque constitue un point de départ logique. Sa clé doit se trouver dans le laboratoire. Laboratoire qui se trouve... Dans la salle opposée, vous trouverez le labo à votre gauche et la bibliothèque en face. Mais n'oubliez pas, vous êtes un intrus. La tour va certainement tenter de vous en empêcher. Nous verrons qui renonce en premier. Un sort pour dissiper cette barrière. Alors... Je cherche... Stylé en vrai. Intrus dans la cour. Submersion des couloirs inconnus. Thank you.
C'était quoi cette affaire là? Intrus dans la bibliothèque. Intégrité de la collection compromise. Alchimie et dilemme domestique, tome 3. Continuons. Almanach des sorciers du Covir. Mémoire omni-déverrouilleur de Gottfried. Et voilà le travail. On dirait qu'il s'est étouffé. Cette maudite tour cherche à m'asphyxier. Intersection et ligne géomantique. C'est pas ce que je cherche. Ce grimoire. Quel est le titre exact déjà ? Grimoire omni déverrouilleur de Gottfried. C'est un traité. Très bien. Je reviens. Alors, ce grimoire. Juste pour voir qu'est-ce qu'il y a à dire. C'est ça. Tout juste. Bien, veuillez vous reculer. Je vais régler leur sort, ces barons. Cellule d'isolement ouverte. Indicateur de liberté critique. Enfin, nous y sommes. C'est un petit peu trop simple. Le plus dur reste à venir. Il s'agit d'atteindre le cœur de la tour et d'y lancer un sort de désactivation. La tour va sûrement faire tout son possible pour nous en empêcher. Je vous suis. Nous devons gagner la salle centrale pour tenter de neutraliser les mesures de santé. Le dispositif de l'entraînement magique risque de piège. Restez sur vos gardes. L'accueil chaleureux du golem, certainement. L'accueil chaleureux du golem, certainement. Osman, Yves, Abidia. Je suis prêt. Intrus détecté. Intrusion détectée. Mesure d'urgence. Urgence,
système de contrôle est gravement menacé. Réaction immédiate. Le traité de Gottfried s'est avéré très utile. C'est terminé. Sans votre arrivée, je croupirai toujours dans cette cage. Ce n'est qu'une babiole, mais veuillez accepter ceci. En gage de ma gratitude. Merci. Cela étant, je serais encore plus heureux si vous calmiez cet orage en emmenant cette tour autre part. C'est comme si c'était fait. Et si jamais vous venez visiter le Kovir, passez donc par Pont-Vanis. Aburagi, Barater. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Je voulais juste trouver la porte. Vous êtes vivant et entier? Entier, mais trempé. S'il vous plaît, apprends-moi à voler. Une autre fois, peut-être. J'ai jamais vu pareil prodige de toute ma vie. Boum! Shazam! La tour disparaît, et voilà que vous tombez du ciel. L'orage, volatilisé. J'avais pas dit qu'il nous fallait un sorceleur? Comme expert, y a pas mieux. À boulot d'expert, prime d'expert. J'ai toujours su que les habitants d'Anskellig étaient d'honnêtes gens. Si jamais vous revenez d'un coin, passez nous voir. On vous accueillera à bras ouverts. Merci. Adieu. Attendez, sorceleur. Vous auriez pas vu mon frérot à l'intérieur? Urn. Et entré avec le druide et quelques autres gars. J'ai trouvé vos amis. Tous morts, hélas. Désolé. Je lui avais dit de pas y aller. Il courait après la gloire. Rentrons, Njal. Pas la peine de s'éterniser. Adieu, sorceleur. Merci encore pour le coup de main. Mais t'es stylé cette carte. Aïe. Mais non, mais 2 XP. Franchement, vous êtes dit. Oh, vous êtes des gros arnaqueurs, t'es. Bon. Les druides. Pour le Nittinaster. Yeah.
succès. Je peux vous interrompre? Oui, mes prières sont vaines, de toute façon. Vous avez un problème avec une malédiction? Oui, regardez. Vous voyez la tête de cheval sur cette pique? C'est... C'est un Itting, une sorte de malédiction. J'ai déjà vu ça. Ils apportent le malheur, voire la mort. Oui, et le nom gravé sur la hampe est celui de mon fils aîné, Thial. Il brûle de fièvre, et il s'affaiblit de jour en jour. Si on ne fait rien, il sera mort bientôt. J'ai essayé de lever la malédiction, en vain. Je peux vous aider de deux manières. Je peux essayer de convaincre la personne qui a lancé la malédiction de la lever. Ou bien je peux retourner la malédiction contre elle en gravant son nom sur la hampe. Dans les deux cas, je dois savoir qui est responsable. Mais je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai jamais fait de tort à quiconque. Je vois. Il va falloir que j'enquête. Un Itting, une puissante malédiction. Il y a un nom gravé sur la hampe. Thialf, fils de Lothar. La piste est fraîche. Je devrais jeter un œil aux alentours. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un châle de femme. Parfumé. Ah. S'arrête ici. Je devrais essayer de me renseigner sur ce châle. Prêtresse, quand je serai grande, je veux pas vous. Un étranger. Mais fier comme tout. Oh oh. Dans le jardin. Un conseil. Tiens-toi, Caro. T'es pas la moitié d'un guerrier. Bonjour. Bonjour. À la prochaine. Au revoir. Mais fier comme tout. Qu'est-ce que tu fous ici? Je suis un gars tranquille. Je veux pas d'ennui. Ainsi c'est vrai. En cas d'ennui, rien ne vaut un sorceleur. Salutations, cheveux blancs. Oui, que voulez-vous? Vous pourriez me dire à qui appartient ce châle? Bien sûr, c'est à Yona, notre herboriste. Elle habite la cabane là-bas. Elle sera sûrement contente de le récupérer. Aucun doute là-dessus. Ah putain, j'ai envie de parler. Votre châle, près de la maison de Lothar.
et de votre knitting. Comment savez-vous que... C'était juste une intuition, et vous venez de la confirmer. Vous savez que Tial va un pied dans la tombe. Tant mieux. Ce bâtard n'aurait jamais dû naître. C'était moi la promise de Lothar. Mais il a préféré me quitter pour cette traînée. Il n'a que ce qu'il mérite. Je l'ai maudit, lui et toute sa famille. Vous êtes prête à tuer un enfant par jalousie ? Ce n'est pas une question de jalousie, mais de dignité. Nous avons vécu 10 ans ensemble. 10 longues années. J'ai tout fait pour lui. J'ai partagé ma couche avec lui. Et il m'a abandonnée sans un mot. Je suis devenue la risée du village. La pauvre Yona, elle n'a rien vu venir. Je n'ai rien vu venir, peut-être. Mais je n'ai rien oublié non plus. Vous allez lever la malédiction. D'accord. Mais à une condition. Je veux que Lothar déshérite son fils et revienne vivre avec moi. Je vais lui laisser le message, mais je crois connaître la réponse. Alors, vous avez trouvé le responsable ? Oui, c'est votre vieille amie, Yona. J'aurais dû m'en douter. Elle est rongée par la jalousie. Elle a accepté de lever la malédiction ? Oui. À condition que vous quittiez tout pour retourner vivre avec elle. Non, jamais. C'est impossible. Je ne peux pas condamner ma femme et mon fils à la pauvreté. Retourner la malédiction contre elle, sorceleur. Qu'elle crève. Non. Yona ne mérite pas ça. Et mon fils, il le mérite peut-être ? Non. Mais vous avez le choix. Sa vie est entre vos mains. Très bien. Si ça peut sauver Tial, je retournerai auprès de cette bougresse. Quant à vous, que je ne vous recroise pas dans les parages. En cas d'ennui, rien ne vaut un sorceleur. C'est bien, Ablette. Oh, c'est... Tout la malédiction pour l'espèce de... De loup-garou, là. Ça, c'était-il le mec, là, avec Siri, là? Ouais, qu'il s'avait rencontré, bref. Quand il était mort, ben là, il y avait comme un endroit qui avait un loup-garou. Le garou, il respawn, en fait. Cette sorcière, y a des fers. Genre, imbécile. Si tu recommences, je te balance à la mer. Vous avez un instant.
Je suis en plein préparatif, voyez pas? On part à la chasse au Nilfgaardien. J'ai un plus gros gibier en tête. Morkvarg. Je vois. Allez-y, je vous écoute. Pour la gloire de Freya. Vous avez assisté au raid de Morkvarg sur le jardin. Si j'ai bien compris, vous êtes le seul survivant. Oui, j'ai réussi à m'enfuir. La mère, dans sa miséricorde, veillait sur moi ce jour-là. Oui, mais elle n'a pas bougé le petit doigt pour ses prêtresses. Bizarre, non? Oui, c'est vrai. Morkvarg leur a tranché la gorge. Son sacrifice. Son rire, son soleil. Son rire. Je m'en souviens encore. Dans son dernier souffle, la grande prêtresse Ulve l'a maudit. Bestiale tuée, bestiale tu resteras à jamais. Ah, quelle sainte femme! Qu'est-il arrivé à Morkvarg? C'est difficile à croire, mais son corps s'est couvert de fourrure et son visage s'est allongé, comme celui d'un loup. Il a poussé un long hurlement. Il s'est jeté sur ses hommes. Ils ont essayé de fuir, mais Morkvarg est trop rapide. Chaque fois que ses mâchoires se refermaient sur une gorge ou un bras, le corps du pauvre bouc tombait en poussière. Je vois. La malédiction doit être plutôt complexe. Tel est le pouvoir de la mer toute puissante. Pourquoi vous n'avez pas aidé les prêtresses? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire? Seul contre une douzaine de pillards? Pourquoi vous me regardez comme ça? Eh bien, votre peuple place l'honneur et le courage au-dessus de tout. Et vous avez fui comme un pleutre. Je trouve ça étrange. C'est vrai, et j'en suis pas fier. Depuis ce jour, je cherche une mort honorable au combat. Mais la déesse n'a pas jugé bon de me rappeler à ses côtés. Pas encore. Merci pour votre aide. Que la déesse guide votre épée. Moustache ne jamais rouiller. Mais comment te débarrasser du garou, le... Mais comment est-ce que je vous... Putain, ça va être chiant, je sens.
Oh, c'est compliqué. Où est la clé? Tout ce que je possède est dans la salle du chapitre, dans le coffre. Mais la clé, où est la clé? Réponds-moi, Ramon. Valère, brigand, fils de pète, misérable chien galeux. Je trouverai la clé, avec ou sans toi, pauvre con. Votre j'en ai l'eau à la bouche. Comme on se retrouve. Vous pouvez mettre fin à ceci. Libérez-moi. Cette conversation commence à m'ennuyer. Et qu'allez-vous faire? On travaille de sorceleur. Caverne, peut-être. Un courant d'air. Une autre caverne, peut-être.
Bah, je sais pas. Ah. L'écluse est ouverte, mais rien ne se passe. Ah, voilà. Ah. Ah, comme c'est gentil, hein. Ça suffit, votre fausse piété ne prend pas avec moi. Vous étiez l'un des hommes de Morkvar, n'est-ce pas? Vous avez l'œil, étranger. Mais vous avez manqué quelque chose. Les hommes que vous voyez sont sous mes ordres. Ils sont armés jusqu'aux dents. Laissez-moi vous présenter. Je suis un sorceleur, pas un chevalier errant. Je ne suis pas venu ici rendre justice.
Alors pourquoi vous remuez le passé? Je dois savoir ce qui est arrivé ce jour-là dans le jardin. Je veux lever la malédiction de Morgvar. Vous êtes fou, ce fils de pute mérite de souffrir jusqu'au Ragnarok. Et même après. Je fais mon métier, c'est tout. Ouais, moi aussi, c'est ce que je disais. Jusqu'au jour où Morgvar a mis le cap sur une Dersfial. Le sang, la mort, je connais. J'ai brûlé des villages, massacré des femmes et des enfants. Et les prêtresses? Non. C'était trop, même pour moi. Après le massacre, pendant que Morgvar se saoulait avec les gars, je me suis servi de ça. Un croc de loup, couvert de runes. Je le tiens de mon père. En me le donnant, il m'a dit qu'une personne blessée par ce croc subirait un sort pire que la mort. Il n'avait pas menti. Et il vous a dit comment annuler la malédiction? Ouais. Il suffit de donner le croc à la victime. Mais ne comptez pas sur moi pour ça. Ce fumier mérite de souffrir. Pensez aux prêtresses. Depuis tout ce temps, elles sont privées de leur jardin. Vous leur devez bien ça, non? Très bien, je vous le laisse. Et à une condition. Je ne parlerai à personne de votre passé, vous avez ma parole. Non, ce n'est pas ça. Si vous faites ça, je vous tuerai, c'est tout. Mais une fois que Morgvar sera redevenu humain, ne le laissez pas partir. À aucun prix. L'ami idéal, toujours à l'écoute, jamais à se plaindre. Comme on se retrouve. Tenez, mettez ceci. J'ai déjà bien assez de gros. Très drôle. Ne discutez pas, faites-le. Libre. Je suis libre. Enfin. Oh, une taverne. Il me faut une taverne. J'ai mangé un cochon-trier. Non. Un quartier pas. Et je le ferai descendre avec de la bière. Par tonneau entier. Je veux pouvoir reprendre la mer. Y a pas d'autre. Mais je vais leur rappeler qui je suis. À Novigrad, partout, je suis de retour.
Désolé, je ne peux pas vous laisser faire ça. Alors pourquoi m'avoir libéré, bordel ? Pour vous tuer. Définitivement. J'aurais pas dû le tuer peut-être. Voilà, trop tard là. Peut-être pas du même, bon, c'est pas grave. En avant. Restez avec nous encore une semaine, Corizo. Toi qui nous allez... accorde amour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous cette fois-ci? Répondre à mes questions sur Morgvard. Je viens pour ma prime. Êtes-vous sûr que... Morgvard ne vous dérangera plus, croyez-moi. Satisfaite ou remboursée. J'espère que vous dites vrai, Sorcelle. Toi qui nous accordes amour, haine et force.
puanteur. Mais il est con. Dernière parole.
Non mais... Bonjour, voyageur. J'ai retrouvé votre corps. Et j'ai tué les voleurs. Quel gâchis. Ces hommes n'avaient pas un mauvais fond. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Où est ma récompense? Venez, et la prochaine fois tuez des monstres, pas des hommes. Vous frottez pas, nous gars. C'est une con. Hé, hey, sorceleur, j'ai une proposition pour toi. Le Nilfgaard. Une proposition, un contrat, tu veux dire? Plus ou moins. En fait, je cherche un associé. En général, je travaille seul. Je suis prêt à payer pour te faire changer d'avis.
Et puis, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de travailler avec le plus célèbre chasseur de primes au nord de la Yaruga, Duyan Godfrey en personne. Très bien. Et pourquoi le célèbre Duyan Godfrey a-t-il besoin d'un sorceleur? Tu as vu du pays, non? T'as sûrement entendu parler des frères Grosbart. Tu es à leur trousse? Ouais, et ces trois-là sont des sacrés lascars. Violeurs, assassins, et depuis peu, pilleurs de tombes. Avec leur couvre-chef jaune, ils sont faciles à reconnaître. Quand ils arrivent dans un village, les gens se terrent chez eux. Ce qui ne sert pas à grand-chose, vu qu'ils adorent foutre le feu. Non, je ne les connais pas. Si tu les croises, reste sur tes gardes. Ils sont du genre à te planter un couteau dans le vide si tu les regardes de travers. Ça m'étonnerait qu'ils s'en prennent à un sorceleur. Avec eux, on ne sait jamais. Bon, écoute, je vais bientôt reprendre la route. Je pars pour le sud, on se croisera peut-être. Comment qu'on fait pour aller la retrouver? Non, putain! Mais putain! Oh là là, mais c'est quoi?
si pas possible. Mais non, mais elle va me rendre fou cette quête. C'est mieux d'être ça parce que même... Te revoilà. Alors, tu as changé d'avis? Tu vas m'aider à retrouver les frères Grosbart? Il y a une belle prime à la clé. D'accord. Faisons équipe. Parfait. Bon, ne traînons pas. J'ai retrouvé leur piste. Ils ne doivent pas être... Ah, on va sauver. Des jeux. On fait une belle équipe, non? Ça te dirait pas qu'on continue de bosser ensemble? Tu as l'air assez doué pour ce genre de boulot. Merci, mais non merci. Adieu. Attends. J'ai pris genre quasiment une demi-heure à trouver l'endroit. Puis la mission a duré même pas une minute. Une blague, j'espère. C'est qui ce phénomène? Les bardes chanteront tes exploits. Merci, Gérald. Vos amis, on montre notre cœur. Encore là? Encore toi? Tu viens voir comment on purge le monde des goules? Je suis sorceleur. Je pourrais vous aider. Et nous faucher toute la gloire? Pas question. La gloire vous fera une belle jambe si une goule vous mâchonne le tibia. Tout bien pesé. C'est pas faux. Bon, très bien. As devant, alors. Ni toi, ni cette sorcière, y a des fers. Comme ça.
Voilà. On montre notre cœur, aux ennemis notre hache. C'était la dernière. Sortez les corps et brûlez-les. Les ghouls ne rechignent pas à manger leurs congénères. Oui, entendu. Content que tu sois venu. T'es un envoyé de Fria, comme qui dirait. On te doit beaucoup et on n'oubliera pas. Ah, la gratitude. L'or est tout aussi apprécié. Oh oui, désolé. On a encore la tête au combat. Eh ben, tu les as décimés. Tiens, c'est pour toi. Merci. Adieu. La meilleure épée ne vaut rien au bout d'un bras chétif, c'est pas vrai? Hé, tu vas comme ça. Mais t'es rapide celui-là. Mais t'es stylé quand même. Tu sais, t'es bien, tu te quêtes rapide comme ça, c'est stylé. Mais celle des trois fers, là, franchement, c'était tellement une blague, là. En plus des quêtes, de toute façon, ça va pas être les dernières parce qu'ils vont en débloquer d'autres, c'est sûr. Bon, bah après ces deux missions-là, ça va être tout. S'est écrasé sur la côte pendant la dernière tempête. J'ai tout perdu. Et comment puis-je vous aider? Je n'ai même plus assez d'argent pour rentrer chez moi. Mon maigre pécule diminue chaque jour un peu plus. Vous voulez de l'argent? Surprise. Que me demandez-vous au juste, un prêt ou la charité? Je vous rembourserai jusqu'au dernier sou, soyez-en sûr. Vous n'avez qu'à vous présenter chez moi à Novigrad. D'accord, je veux bien vous aider. Je passe souvent à Novigrad. Je viendrai vous rendre une petite visite, à l'occasion. Merci. Je m'appelle Johan Bonheur. Vous me trouverez dans le quartier du pauvre. À plus tard. Bah c'est 150 pièces. Je m'en fous un peu qu'il me rembourse là.
fini de jouer. Pardon. Que voulez-vous ? Vous avez quelque chose ? Oui, mais c'est cher. Windblade. Hey, sorceleur. Vous m'avez appelé? Oui. Mère Nature m'a doté d'une voix puissante. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. L'un des nôtres, Egil, est devenu muet. Ni nos sorts, ni nos potions n'ont pu lui rendre la parole. Mais une émotion forte pourrait peut-être remédier au problème. Accepteriez-vous? Vous seriez payé, bien sûr. Je vous donnerai une carte de Gwynt, rare. Je veux bien essayer, oui. Et je ne comprends pas bien. Vous voulez que je lui fasse peur? Oui, c'est exactement ça. Ce sera parfait. La peur, la colère, n'importe quelle émotion forte fera l'affaire. Mais surtout, ne lui faites pas de mal. Vous trouverez Egil près du chêne sacré. Le pauvre doit être en train de prier pour retrouver sa vie. C'est vous le druide muet ? Oui. C'est un peu bête comme question. Quel remède avez-vous essayé? On vous a donné des potions, des herbes? Non seulement il est muet, mais il est sourd aussi. Depuis quand avez-vous perdu votre voix? Répondez-moi par signe, si vous pouvez. Quoi? Un homme charmant. Manifestement, je n'arriverai à rien en parlant. Adieu. Bon, je n'arriverai à rien en bavardant. Annie de Guêpe. Renommée pour ses applications thérapeutiques. Des pots en fer blanc. Ça devrait faire choc sur tous les diables. Je vais attendre qu'il s'endorme. Si j'éteins son feu, ça déclenchera peut-être une réaction.
Manifestement, je n'arriverai à... Manifeste. Foutez-moi la paix, bon sang. Trois ans sans dire le moindre mot jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes content de vous ? Croyez bien faire. Ah, ça, c'est une réussite sur toute la ligne. Hors de ma vue, imbécile. La gloire. Ah, félicitations, sorceleur. Je l'ai entendu hurler d'ici. Voici votre récompense. Comme promis. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Pensez-y la prochaine fois. Sinon, c'est vous qui finirez sans voix. Entendez-vous, assassin ? On va juste aller vendre nos affaires et puis... Ah, c'est beau. Je le lis sur ta tronche. Ah, c'est à part chauffe-feu normalement. Salutations et bonjour, Gérald. Qu'avez-vous avant? Ouais, parce qu'il vend beaucoup. Je tiens à l'œil, mon pote.
Miaou. Ça va? Salut. Ça va? Non, je tente pas d'aller voir le DLC. Ouais, par exemple, comme trait de vide, j'aurais pu dessus. Qu'avez-vous avant? Prenez soin de vous. $50,000. Bon, bref, ça est aussi dur, donc. Donc n'hésitez pas à liker la page vidéo. On se retrouve bientôt plus de nous. Regarde pas comme ça. Vous savez, sur cela, ils peuvent tous bien dire. Donc demain, il peut-être 49 de deux ou de jour 3. Ciao.